C'est un véritable coup de théâtre judiciaire qui vient de se produire devant la 7e chambre du tribunal correctionnel de Marseille, où sont jugés Anto Simone et Jean-Baptiste Amoretti, aux côtés d'Olivier Demonte. Les trois hommes comparaissaient depuis ce matin pour des faits d'association de malfaiteurs sur fond des règlements de compte dans le Sartenay. Dès le début de l'audience, les avocats de la Défense se sont levés pour soulever des points de nullité dans la procédure et faire relativement rare dans ce type de dossier. Le tribunal correctionnel leur a donné gain de cause et a ordonné le renvoi de la procédure. Ce dossier n'a pas été conduit de manière satisfaisante, tant sur le plan des investigations réalisées, mais aussi sur un plan procédural. Aujourd'hui, sur le plan procédural, cela vient d'être sanctionné par le tribunal correctionnel. Et je ne doute pas que le moment venu sur, je dirais, les problématiques de fond, nous aurons aussi gain de cause. Pour nous, c'est le constat, la consécration du constat que ces personnes ne pouvaient pas être jugées en l'état de cette ordonnance qui était mal construite. Concrètement, ce qui va se passer maintenant, c'est que le dossier va être renvoyé au magistrat instructeur pour qu'il puisse corriger tout simplement les points jugés irréguliers dans la procédure. En tout état de cause, après 8 ans d'enquête et alors que les charges criminelles ont été complètement abandonnées dans ce dossier, la décision s'apparente à un véritable camouflet pour la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille qui est en charge du dossier.